Voilà, j'ai intérêt à faire gaffe où je mets le pied. Parce que ici, il y a des pierres et il y a des trous. Bon, celle-ci, je vais la mettre un peu plus en bordure. Pas trop non plus. Si je pêche au bord, là, je vais pêcher dans les cailloux ou les branches. Voilà. Yes, bon, vous avez vu, un peu d'action hein, quand même, hein. Tout s'est cassé la gueule dans l'eau. En fait, j'ai mis un tripode, hein, puisqu'il y a pas mal de cailloux, je ne savais pas encore comment poser mes cannes, hein, et je ne savais pas si je pouvais planter des piquets, quoi, des matempêtes, donc je vais voir, je m'organiserai mieux demain si je reviens. Donc je vais remettre à l'eau la même chose, hein, donc c'est parti sur de la cherry nut, voilà, donc il y a un sac avec de la bille broyée, puis voilà, une petite bouillette avec un faux maïs, hein, un montage très très simple. Hein. Et l'autre canne, elle pêche à la Spacey. Donc hier, je suis venu amorcer avec les deux billes. J'ai dû mettre à peu près 500 grammes de chaque. Voilà. Et bon, bah apparemment, il y a du poisson. Je croise les doigts pour faire une deuxième. Il me reste quelques heures. Alors, c'est un beau poisson, hein, donc bon, il y en aura peut-être d'autres. On va voir. Allez, c'est parti. Thank you.
Allez, tanker. Yes, donc un deuxième poisson. Donc j'ai cru que j'allais le perdre. En fait, la carpe s'est tankée pendant le combat. Il y a pas mal de cailloux ici, et puis même au bord, hein, l'eau est montée, donc il y a pas mal de végétation, hein, c'est un petit peu la jungle. C'était compliqué, ce que j'ai fait, j'ai arrêté de tirer dessus. Hein. J'ai laissé faire, elle a pris quelques mètres, et puis elle s'est sortie de là tout seul. Hein. Un beau poisson qui m'a donné du fil à retordre. Au final, j'ai gagné.